Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, première vidéo, premier vlog, Anoussa Penida. Ça fait une semaine qu'on est arrivé, mais on n'a clairement pas fait grand chose pour le moment. S'occuper de revernir tout ce qui est chaises et tables en extérieur. Petit extrait de ce qu'on a fait peut-être jusqu'ici. En tout cas, ça y est, on a décidé de se bouger, d'aller explorer un petit peu plus l'île. Là, on va aller voir une piscine naturelle, un endroit où je suis jamais allée encore. Je sais que mon copain Alan y est déjà allé, donc il va montrer tout ça, donc j'ai hâte de voir. Puis on verra après ce qu'on fera dans la journée. De toute façon, il est déjà presque 1h de l'après-midi. On va voir, on verra. En tout cas, il fait super beau, il fait super chaud comme d'habitude. Donc c'est parti. J'allais dire que mon copain m'a abandonné, mais regardez, il arrive. Avec notre magnifique Scoopy. What's up? You ready? Yeah, I'm fucking ready right now. Prêt à partir. Mais j'ai oublié de vous dire du coup, Penida c'est quand même une petite île, enfin ça fait 200 km² à peu près. Mais j'ai l'impression que tout le monde se connaît ici. Mon copain juste derrière a bossé ici pendant 2 ans à peu près et j'ai l'impression qu'il connaît tout le monde. Du coup, tous les jours, on a des gens qui nous apportent de la nourriture gratuitement. Donc hier, on a eu le droit à un monsieur qui est venu nous apporter des noix de coco. Donc on va l'emmener avec nous et je pense qu'on va l'ouvrir sur la plage. Ça va être super. Et ce matin, bah, on a ses amis qui sont venus nous apporter des poissons grillés. Donc j'ai juste trop hâte de pouvoir goûter ça parce que vraiment à chaque fois, c'est un délice. Where are we going? So we're going to Timberling Beach. Where? So we're going to go to Timberling Beach and water. No natural pool? Yeah, natural pool is something. Oh. So let's go there. Let's go! Alors on vient de s'arrêter sur la route parce qu'il y a un arbre qui a moitié tombé dessus, c'est juste hyper dangereux. Oh. I can't. But is it so dangerous? It's dangerous, yeah. En gros, si tu viens du scout, en scout t'arrives là sur la gauche, bah tu te le prends en pleine face. Surtout que c'est juste au début, à l'entrée d'un virage. Mais il est totalement déraciné. On a oublié, mais on a une... Bon, c'est un couteau qui va nous faire office de machette. Two hours later. Wow. Bon, on a enlevé une première partie. Keep going, babe. You're doing great, baby. A few moments later. Bien bossé, durement. On est sur une route dangereuse au milieu de la nature, donc ça veut forcément dire qu'on a droit à des petites rencontres sympathiques. Je sais pas si vous les voyez, ils sont sur le côté. Des petits singes, coucou! On se rend pas compte à la caméra, mais les pentes sont quand même assez raides. Hein. Comme moi, c'est pas super instrument.
On vient tout juste de se garer, on vient d'arriver. Il faut la mériter, hein. Franchement, cet endroit, j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que, vu les routes et tout, franchement, je pense que ça va faire genre de coup. Ouais. C'est parti! My guide. Private guide. How long does it take to go down? 30 minutes? Okay. Cool. Encore un chemin très périlleux. Hein. Il y a des petites pépites à chaque fois. Incroyable. Oh les vagues, la vache. Paradis, on va s'adonner à la tradition. Oui, oui. Tu veux de faire des petites montagnes de cailloux? De toutes les petites montagnes de cailloux, c'est le plus beau. J'adore. Hey, hey. Coconut? Coconut water, baby? Yeah. Yes! Let's go! Grâce à Monsieur Alan. C'est tout un art. Qu'on a oublié des cuillères pour manger la chair de la noix de coco. Évidemment le jus, l'eau de noix de coco, c'est super bon, mais la chair aussi, c'est un délice. L'habitude de boire avec une paille. Là, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. It's good. Oh, so fresh.
Ah, c'est tellement rafraîchissant, c'est trop bon. Ça vaut le coup, hein. La route et tout, bien qu'elle soit assez dangereuse et tout. Vraiment, c'est incroyable ce qu'on est en train de dire. Oh, regardez-moi ça. You wanna eat them now? Eh ben, on va manger du poisson grillé. Avant d'attaquer, on va manger avec nos doigts. Hein. C'est quelque chose qui se fait très souvent en Indonésie, de toute façon. Manger avec nos mains. Quand même nettoyer un petit peu avant. Never forget this number. Never forget it. C'est assez épicé, mais au final, enfin moi depuis le temps que je suis en Indonésie, maintenant ça fait quoi, enfin, je crois comme si ça faisait 10 ans que j'étais là, pas du tout. Ça fait que 3 mois, mais je me suis grave habituée à manger épicé. Donc maintenant ça va. Franchement, les poissons étaient super bons. Et de ce que Alan m'a dit, son pote allait nous en ramener encore ce soir. Donc j'ai hâte d'être là ce soir. Là, on va ramasser un peu le bazar qu'on a fait, les coco, noix de coco, tout ça. On va aller jeter tout ça. Et après, on va aller à la. Voilà. On n'oublie pas son petit sac plastique. Parce que le plastique, c'est un réel problème en Indonésie. Donc on essaye de ne pas polluer les endroits où on va. On prend son petit sac avec nous et on jette tout ça dans une poubelle après. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire, on va aller à la piscine naturelle. Donc, je vous revois là-bas. Et ben, on est arrivé à la piscine naturelle. Are we gonna go swim now? Yeah. Let's go! J'ai un peu peur de rentrer dedans par contre parce qu'elle a l'air gelée. Donc, on va y aller doucement. Non, en plus, il n'y a pas grand monde, donc c'est super agréable. Et là, la plupart des personnes qui viennent, c'est des locaux. En même temps, il n'y a plus trop de touristes en ce moment à Pemuda, mais bon. C'est si agréable. How do I look? C'est pour you. Le bonheur! Thank you.
Il y a une petite plage à côté, j'espère qu'on va pouvoir y aller juste après. On va pas pouvoir se baigner, vu les vagues. Mais au moins apprécier le soleil un peu sur la plage. On va aller faire un petit tour à la plage juste derrière. C'est vraiment histoire de se poser au soleil. Hein. Peut-être mettre les pieds dans l'eau, mais pas plus, parce qu'il y a des vagues assez impressionnantes et beaucoup de courant. Monsieur a un petit creux, malgré avoir mangé une noix de coco, des poissons grillés. Donc il va s'acheter, donc il va s'acheter des mie. Des noodles. Au petit stand. I'm so hungry. Always hungry. Il a toujours faim, il mange tout le temps, c'est incroyable. Je suis totalement tombée amoureuse de cette ville, vraiment, je l'aime, comme mon copain. C'est là où on s'est rencontrés d'ailleurs. This is where we met, babe. En face de toi, c'est super impressionnant et ça fait quand même peur. Alan, on veut aller tout là-bas, sur les rochers là-bas. Mais sauf que c'est beaucoup trop dangereux. Enfin, là on dirait pas, mais les vagues sont hyper impressionnantes vraiment. J'ai pas envie d'aller prendre des photos de lui n'importe où comme ça. No, where are you going? Il me fait peur. Ok. Oui, bon, j'avoue, j'ai craqué aussi. On voit de la nourriture comme ça, je peux pas m'empêcher d'en manger. Voilà. Oh.
en coupe 1. On a bien profité de la vue. Donc on va finir nos petites nouilles. On est déjà prêts à remonter. Et puis je pense qu'on va rentrer à la maison tranquillement. See you at home. Yo, de retour à la maison. Personnellement, je suis éclatée. Je pense que c'est les escaliers là-bas, ça m'a totalement achevée. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se laver. On va après aller chercher de l'eau parce qu'on en a plus du tout. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Ça a été une bonne journée. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt.